près de l'hôtel. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la mer se retire tellement loin. On peut aller à pied à ce style-là. Puis finalement, il y a de l'eau. Ouais, il vous a dit spotter là parce que quand elle remonte, vous êtes dans le trouble. Alors, c'est DVG en direct de Veracruz. C'est un chef. Jay qui joue avec des noix de coco à Veracruz. Alright. Yeah. Ah shit, la marée à mort, va falloir courir. On va passer une nuit. Belle tapette. Ta gueule! Jay qui fait du repassage. Hostie qui font le voyage. Je pensais jamais que tu faisais ça, yo. Je suis vraiment surpris. Déjà lundi matin, 9h45, on s'en va faire notre petite marche dans la jungle dans 15 minutes. Déjà terminé pour le resort. On s'est fait du fun hier, on est allé à Veracruz, on est allé au bout de la pointe là-bas en kayak, ce qui était vraiment écœurant. Il y avait une belle plage complètement au bout là-bas. Mais deux jours, c'est assez là. On se repose pas mal, puis les deux, là, dès que moi, on commence à avoir bien hâte de retourner à Panama City. On n'a pas encore fait le City Center. Donc je pense que ça va être très bien. Ready? On va faire une expédition dans la jungle. Oh, il est fou. Le papillon. Il est vraiment beau. Apparemment, on va voir des tigres, des gorilles. Ça va être fou. Above my head, a sock hop beneath my bed.
Leave my door open just a crack. Please take me away from here. 'Cause I feel like such an insomniac. Please take me away from here. Voici la vue de notre chambre d'hôtel dans le secteur Bella Vista, je pense. Bella Vista. Nos négociations de chambre n'ont pas fonctionné. Puis apparemment, mon espagnol n'est pas très bon. C'est dos une habitation, dos camas. Si, señor. Premier pas dans la ville de Panama City. La statue de Balboa, qui a découvert le Pacifique en 1513. Il y a deux jours dans le Casco Viejo, complètement à l'extrémité ici. La place Simon Bolivar où on a dégusté notre cerveza. Il y a la vieille cathédrale. Mais maintenant, on se dirige complètement à l'opposé. Où ça, Dave? Ouais! On est rendu au port de la ville. Et on voit ici que les bateaux, ben, sont pas mal pris. Et là, on s'en va dans l'antre du loup. Vers le Times Square. Et on va continuer à aller voir tout ce building. Ça nous semble pas sécuritaire dans les parages. Oh, oh, oh! Il y en a un autre ici qui nous dit protéger et servir. Si, Daniel. Après vous,
là. Comment qu'on se sent quand il y a un gars avec un shotgun à l'entrée de notre hôtel? C'est pour la protection. Parce qu'on est aux limites d'un quartier qui est vraiment pas sécuritaire. Puis, Jay, tu peux-tu me dire combien vient de payer notre cipac? Hey, malade. Check ça. Je viens de faire une emplette avec quelques biscuits. Et un cipac de Soberana. À combien? 25 cents la canette. Puis ici, la bière premium, la Heineken, est vraiment trop chère. C'est 50 cents.